Bien sûr que c'est un mot qui est fascinant parce que le peuple, c'est une étendue extraordinaire de personnes et de personnes diverses, de personnes d'origine diverses. Le peuple, c'est ce qu'il y a dans la rue, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui même, c'est possible. C'est-à-dire des gens qui sont unifiés par éventuellement une protestation, par un plaisir commun, par une fête à célébrer, etc. Mais le peuple, c'est ce qui unifie des gens de milieux et d'origines différentes et qui les unifie dans l'instant où ça se produit, ou dans le temps où ça se produit. C'est un temps unifié de gens divers, différents, et cette unification peut être vécue comme un véritable bonheur. D'ailleurs, le peuple, quand il manifeste, il chante, il crie, il dit ce qui l'unifie, ce qui est le lien. Alors, le peuple, ça suppose en effet l'existence d'un lien. Et c'est très intéressant de penser que ce lien peut conduire à des modifications du monde, à des changements, à des révolutions. On dit révolution, et c'est bien, parce qu'en même temps, révolution, c'est un mot compliqué. Ça veut dire que c'est le changement, mais c'est en même temps le retour à l'origine. Donc le peuple, il ouvre son cœur, mais en même temps, il s'unifie, et en s'unifiant, il constitue un ensemble. Donc c'est à la fois une ouverture et en même temps le lien qui apparaît comme un élément qui va souder ces diverses manières d'être. J'aime beaucoup cette idée du peuple, mais je pense que tous les gens qui peuvent parler du peuple disent une chose différente, et ça peut être des choses contradictoires. Mais pour moi, le peuple, c'est un mot unificateur, et ça serait plutôt un joli mot. Quand on me demande, c'est curieux parce que ça me fait penser à l'usage qu'on peut en faire sur le plan du peuple. Lorsqu'on me demande la nature de mes engagements, par exemple, en faisant allusion à une unification, je réponds souvent, je ne veux pas être heureux tout seul. Donc pour moi, le peuple, c'est un moyen de ne pas être heureux tout seul.